Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, le petit bleu que j'ai là, c'est hier, je me suis pris le poteau en marchant, tout va bien. Et beaucoup à m'avoir demandé si j'ai toujours un code promo valable pour les culottes menstruelles Blinks. Et ce mois-ci, j'ai réussi encore une fois à vous dégoter un code promo. Surtout, c'est un code promo de dingue parce que c'est un code promo d'au moins 50% sur tout le site, plus un cadeau. Bref, je vais tout vous expliquer. Mais ces culottes menstruelles, moi je sais que bah maintenant je mets que ça. Parce que les tampons, maintenant ça me fait trop peur de tout ce qui est. Vous savez que je suis hypocondriaque et tout, choc toxique, etc. et tout. Ça arrive, alors rarement, mais ça arrive quand même. Et je préfère pas prendre le risque. Les serviettes hygiéniques, on va dire que c'est quand même. Ça me gêne. Et alors que les culottes menstruelles, je sais pertinemment que on peut les garder déjà. Quelques heures, que ça ne sent pas une mauvaise odeur ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, maintenant, je mets que les culottes menstruelles. Si je vous montre mon tiroir, genre, j'en ai facile. Quand je suis chez mes parents, j'ai une bonne hygiène de vie. Genre, je vais manger vachement de légumes, vachement de produits sains. Le matin, je me réveille genre 8h30 parce que du coup, même si des fois ma mère descend Snow, hein, mais du coup, Snow, je suis obligée de le descendre, donc du coup, ça me fait me réveiller vraiment. Alors que quand je suis en maison chez moi, quand je vois qu'il commence à dire, quand je vois qu'il commence à prospecter, etc., j'ouvre la fenêtre, il va dans le jardin qui est extrêmement grand et il fait ce qu'il a à faire. Après, on rentre et moi je me rendors. Alors que là, non. Et ça me motive encore plus pour commencer la journée. Donc c'est vrai que voilà. Bon, écoutez, ce matin, je vais essayer de pas me prendre un poteau, ça serait pas mal parce que là, ça me descend la douleur jusque là. Je suis un peu gonflée. J'espère vraiment que je vais pas avoir un œil au beurre noir dans pas longtemps, mais.